mbare bi le mbare waxe bu lagine dina lay wa salam alaykum muslimi lagine ku lagine farma dunya muslimi bi din wa salam alaykum dulmati fanyi narifa may ki waxe fanna me directement nun narifa mulama directement wa salam alaykum je salue la population guinéenne de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier. Ah ah. So c'est l'ambassade maman faro vidéo partagée. Ah ñéré. Na rina Sénégal au vidéo rassemblé mira partagé. Yo. Je viens m'adresser ce matin au président Bassirou Diomaye Faye. Encore, et le premier ministre Oumar Sonko. Je vous salue les deux personnalités. Encore, avant-hier, je venais juste de travailler, je me suis arrêtée pour faire la vidéo en urgence. Le jour que le juge a tracé le jugement de Jibril Sylla. À le 10 ans de payer 50 000 francs CFA, une valeur de 41 dollars. Voilà. J'ai bien dit dans ma vidéo là, l'autorité sénégalaise, le président Diomaye Faye, et le président et premier ministre Ousmane Sonko. J'ai bien dit dans ma vidéo là, j'ai dit, Jibril n'est pas terroriste, il n'est pas rebelle. Il n'utilise que la seule force que Jibril Sylla a, c'est sa bouche. Dénoncer la mauvaise gouvernance du groupe Poutiche qui est en place en Guinée aujourd'hui. Président Bassirou Diomaye Faye et Premier ministre Ousmane Sonko, le jour que je me suis adressé à vous, ici, les deux personnalités, de vous associer aux hommes comme vous pour le développement du Sénégal. La vidéo n'a pas pris 24 heures. L'autorité sénégalaise a saisi une valeur de drogue très lourde, cocaïne. Ça, c'est un conseil pour vous d'abord. Oui. Mais ce que j'ai à vous dire ici, le juge, partout dans le monde entier, Interpol travaille avec les gouvernements. Et c'est des gens qui sont nommés par les gouvernements dans le monde entier. Comment fait-il que le jour du jugement, le juge a déclaré qu'il y avait deux plaintes. L'autre plainte qu'ils ont fait tomber, ça c'était pour qu'elle fasse Camara Kapisi, qui a même débité la souffrance que Jibril Sylla traverse aujourd'hui. C'est Krefa la Camara Kapisi qui a tout débité. Donc, j'ai parlé, j'ai fait des vidéos entre les deux frères-là. J'ai parlé à celui qui est le grand. Ça, c'est Krefa la Camara. Je me suis mis entre eux. Avant qu'il porte d'abord sa plainte, je suis sorti, j'ai parlé à Jibril Sylla. Quand Krefa l'a aussi a porté plainte contre lui, j'ai fait mon devoir. Mais le cas de Jibril Sylla, président Diomaye Faye et premier ministre Ousmane Sonko, il y a la main noire dans ça là. Pourquoi le juge n'a pas
évoquer une plainte contre Jibril Sylla de l'Interpol. Pourquoi? Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été déclaré. Le juge n'a déclaré que deux plaintes. L'autre a été tombée. Ils ont fait tomber l'autre. Parce que la gravité, le nom que Kerfala Camara KPC a eu dans ça là, faire traîner un de ses frères comme ça là, devant la justice, devant la difficulté, ça va l'attraper un jour. Ça va l'attraper KPC. Ça va l'attraper. Raison pour laquelle je suis sortie, je me suis mis entre lui pour qu'il retire ce qu'il arrivera demain, que je serai là aussi à lui, pour le défendre. L'Interpol, le cas de l'argent sur le compte d'Orange de Jibril Sylla, ça c'est les mafias. Il ne cherche personne dans ça là. C'est le leader et la GC Ludal Ndiallo que le CNRD cherche. Je suis là à vous dire la vérité. Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, le premier ministre, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et croyez encore de plus en Dieu. Vous êtes des musulmans. Dieu vous a montré beaucoup de difficultés. Vous avez traversé beaucoup de difficultés avant d'être là aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui. Là où vous êtes aujourd'hui. Mais le premier ministre d'abord, Ousmane Sonko, le seul conseil que j'ai vous donné, si Bassirou, si Diomaye Bassirou arrive à échouer, vous serez échoué encore. Vous serez échoué dans votre avenir. Si lui, il arrive à échouer, Ousmane Sonko va échouer. Ton avenir présidentiel sera échoué. Donc votre intelligence, votre compétence, votre croyance, mettez à la disposition de Bassirou Diomaye Faye pour l'intérêt de votre avenir, vous, Sonko, Premier ministre. Parce que là, l'élan que je vois comme ça venir, vous vous êtes associé à un dictateur, un assassin, un vendeur de cocaïne reconnu par les Occidentaux. Ce que l'Amnesty International a balancé aujourd'hui, a publié aujourd'hui, c'est sur ma page. Allez-y, vérifiez. Comment l'Interpol peut rester en obscurité? Ils ont la plainte contre Jibril Sylla. Le juge n'a pas su ça. L'arrivée maintenant au dernier point pour libérer le jeune, l'Interpol descend à Mafia au Sénégal pour aller arrêter Jibril. Parce que quoi? Ils ont tout tenté contre lui. Où Jibril Sylla peut ramasser les 50 millions de francs CFA? Où? Qui a mis sur son compte d'Orange? Qui? On ne pouvait pas lui coller le ticket d'un terroriste. Non, c'est faux. La mafia, le mensonge malsain monté par le gouvernement guinéen, on connaît. C'est l'histoire qui se répète. Donc, nous faisons un like à ça. Nous avons un like à ça. C'est ce mot qui est.
Donc, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, votre devoir aujourd'hui et votre responsabilité, c'est de protéger ce jeune-là. Droit de l'homme en sait beaucoup. C'est un jeune qui dérange le groupe Boutiche-là. C'est un activiste. Il leur dérange. C'est eux-mêmes qui ont mis l'argent là, sur son compte Orange. Ils ont envoyé un gars d'abord aller faire la vidéo avec Jibril. C'était un topo. Tout ça là, pour avoir la tête de Jibril Sylla. Mais la sécurité de Jibril Sylla aujourd'hui pour protéger sa vie, moi je confie ça à vous, les deux personnalités. Le président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Vous savez, j'ai dit quelque chose l'autre fois. Je dis entre les Diola et les Serer, depuis vos ancêtres, la trahison, ça n'existe pas. Il n'y a pas de trahison entre vous. Vous êtes venus ensemble, grâce à Dieu. Vous êtes sortis de la prison. 10 jours, vous avez pris le pouvoir. Vous les deux croyants. Vous les deux personnalités croyants. Président Bassirou Diomaye Faye et Premier ministre Ousmane Sonko. Faites beaucoup attention. Ne vous associez pas à un dictateur. Aujourd'hui, ça pleure en Guinée partout. Les familles sont délégées. On tire sur les innocents, des enfants. L'autre fois, une fillette, même pas 2 ans, a été tirée. L'homme a été tiré dans l'ambulance. Quelque chose qui est interdit formellement dans le monde entier. La Guinée traverse des difficultés aujourd'hui qu'on ne peut même pas expliquer. Qu'on ne peut même pas expliquer. Mais Dieu merci. Ce qui est sorti aujourd'hui contre Mamadi Doumbouya et son clan, le monde voit maintenant la vérité. Il est accable dans ça là. Il ne peut pas s'en sortir, ce qu'il a mis sur les Guinéens. Le jour de son arrivée même, président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, le jour que Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, il a versé le sang de 187 personnes. Où sont les corps jusque-là? Où sont les corps jusque-là? Il y a les familles, ils brûlent même les dépôts en Guinée, tout ça là, pour rester au pouvoir. Mais Dieu voit la vérité. Donc, ça crie partout sur le toit. Sauver la vie de Jibril Sylla, c'est vous, les deux. Votre devoir aujourd'hui, tout le monde a compris. Le cas de l'argent, c'est faux, c'est archi faux. Ça a été, ils ont piégé le jeune. Mais ce qui est derrière ça aussi, l'affaire d'argent, ils cherchent le leader de l'IFDG. Et là, je sais le Dalé Diallo. On connaît.
On vient de lui, on vient de l'exposer sur Facebook. Le monde entier en vit ça. Donc, protéger la vie de Jibril Sylla, président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Protéger la vie de Jibril Sylla, le gouvernement sénégalais, Amnesty, droits de l'homme. Protéger la vie de l'activiste là. Il a 7 enfants. Le dernier bébé même n'a pas encore 5 mois. Jibril n'a aucune autre force si ce n'est pas sa bouche. Oui. Il leur dérange. C'est un communicant dérangeant. Face à ce groupe poutiche. Donc, prenez votre disposition. Un conseil encore. Ne vous associez pas à Mamadi Doumbouya. Ça ne va pas vous apporter que le malheur et l'échec de votre gouvernance. C'est quelqu'un qui est isolé. Raison pour laquelle Ibrahim Traoré de Burkina, Assimi Goïta et du Niger se sont débranchés de lui. C'est vous maintenant, les élus démocratiquement par le pays, par le peuple sénégalais, vous voir même sur l'image avec ce monsieur-là, Mamadi Doumbouya, un assassin, un vendeur de cocaïne, un dictateur. Voir ce dernier-là à côté de vous-même, c'est la honte pour le Sénégal. C'est la honte pour le Sénégal. Donc, votre devoir, c'est de protéger Jibril Sylla. Affaire de l'argent transaction, c'est faux et c'est archi faux. D'où l'argent est venu? De qui? Ça a été lancé dans son téléphone. Par quel numéro? Tout ça là, c'est la mafia de Mamadi Doumbouya. Et colonel Mfamara Camara, son secrétaire général, qui ont ramassé la grâce générale. Amara Camara, secrétaire général du CNRD. Et les Bala Samoura, c'est leur clan pour faire taire et pour le tuer. Je n'oublierai pas encore de remercier le grand homme, Monsieur Aliou Tine, et les 5 avocats de Jibril Sylla. Je remercie la population sénégalaise aussi qui nous accompagne sur le toit pour la protection de Jibril Sylla. Je remercie la population guinéenne aussi, qui ont tout laissé. Il y en a qui font la prière. Je vous remercie tous. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. La vie et la protection de Jibril Sylla est dans votre main. Je vous remercie. Assalamu alaikum.